If you are clapping for Jesus, I believe you can do better than that. But you said you were looking for the fruit of the womb for about 3 years, is that right? Yes. So I believe that before you received the prayer from our Papa, you were in search of solution. Yes. I've been to hospital, I've been to hospital. The first one said they couldn't find anything, but the second one said I was having infection. So you had an infection? Yes. And when you came down here, Papa prayed for you and blessed your Papa. What happened along the line? Would have lost it when Jesus was again. I believe that if you are here under the sound of my voice and you are looking for the fruit of the womb, your time has come. That amen is like it's just for your community. Can you say that amen like a believer? People have got your top on your feet and celebrate that God wants to be. Because he's giving lives and meaning to the Son of God, Prophet Jeremiah, moment of faith. Let's clap Jesus Christ. Let's clap for the Lord. Let's clap for the Lord once again. So, what word of advice can you give to viewers out there watching you right now? Nous remercions le Seigneur pour la vie de cette femme qui était à la recherche de des entrailles pratiquement depuis 3 ans. Alors, cher utilisateur, tel qu'elle a relaté, les médecins ont confirmé qu'effectivement, il était pratiquement impossible pour elle de pouvoir concevoir. Et ils ont révélé même des infections comme étant la cause de son problème. Alors, Dieu a su faire, cher utilisateur, elle fut vraiment déprimée. Mais malgré vraiment des soins médicaux qu'elle a eu à faire par le passé, cela n'a pas toujours apporté des solutions à son problème jusqu'à ce qu'elle puisse recevoir la prière de l'homme de Dieu à l'un de nos programmes intitulé « Tu dois porter ton Samuel ». Et c'est alors que l'homme de Dieu, à travers la prière, bénit sa paume. Et effectivement, ce désir vraiment tant attendu s'est confirmé dans sa vie. Aujourd'hui, elle est enceinte presque à terme. Cher utilisateur, très bientôt, future maman pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons pour le Seigneur. So we thank God Almighty for what he has done into your life and let your wonderful testimony be permanent in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Jesus.